à continuer leur voyage et risquer leur vie. Elles restent beaucoup plus près. Elles font des migrations encore aujourd'hui, mais beaucoup plus courtes. Elles vont aller au Maroc, Algérie. Une bonne partie s'arrête sur les côtes espagnoles. C'est en général la première étape. D'ailleurs, là-bas, elles ont commencé à nicher depuis ces 15-20 dernières années en Espagne. Ça, c'était également un nouveau phénomène. Avant, elles ne faisaient que passer dans ce pays. Et donc, maintenant, on a les cigognes qui nichent aussi sur les voies de migration entre l'Espagne et l'Alsace. Donc, on a énormément de cigognes qui nichent dans d'autres départements que l'Alsace. On a à peu près 3000 couples de cigognes qui nichent sur le reste du territoire. Et en Alsace, on a fait le recensement cette année. On a recensé les couples de cigognes et on arrive aujourd'hui à 1200 couples nicheurs en Alsace. Donc non seulement on a rattrapé la population, mais on a largement maintenant dépassé la population de cigognes en Alsace. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les cigognes. Si bien sûr vous avez encore des questions à poser, je suis là pour y répondre. Sinon, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite encore une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci.